s'asseoir dedans. Allez, ça s'asseoir. Mélissa. Je prends la fait quoi dans ma maison? Placard la fait quoi dans ma maison? Je t'ai pas dit de ne pas ouvrir la porte à n'importe qui. Madame, qu'est-ce qu'il y a pour vous? Je suis venue voir Mélissa. Madame, sors de chez moi. Je ne bouge pas. J'ai dit sors de chez moi. J'ai dit je ne bouge pas. D'accord, laissez-la. J'arrive. Je suis là. Toi, tu es qui? J'arrive. Attends-moi. Si tu me prenais pas encore, attends-moi. J'arrive. Tu traînes comme ça. Il faut repartir. Tu ne peux pas repartir. Qu'est-ce qu'il y a? Et ce sont ces enfants, quoi? Faut écouter ce que tu as entendu dans toi. Tu es dans ton propre foyer et puis on te matraille. Tu as vu quoi? Tu as vu quoi? Tu as vu quoi? Ma copine, je t'ai rien dit. La femme de Zone, elle fait malin ici dans la cour. Déjà, elle n'a rien. Tu as vu son habit de fête? Hein? Trou-trouni. Et en plus, c'est mal cousu. Elle était confondue comme ça. On dirait même que sa bille, sa petite soeur l'a portée. Mais maman, elle a une vilaine femme. Elle a une vilaine femme. Deux pieds au cochon. Elle est une femme qui est belle. Elle est traquée nous encore. Bonsoir, les dames. Bonsoir, M. Bonsoir. Toujours au boulot. Non, là, faut pas m'énerver. Va te laver et puis tu vas manger. On peut même plus plaisanter à toi. Tu es sûr, seulement tu es énervé. On peut même plus plaisanter. Voilà, je ne vous dis pas. L'argent change les gens. Ah, toi qui savais pas ça. L'argent change les gens de... Zoka. Hi, Zoka. Zoka. Ce monsieur-là, il paraît qu'il est devenu très riche. Riche, quoi? Zoka, c'est la richesse même qui est Zoka. Ah bon? Jusqu'à ce point-là. Comment ça? J'ai dit, Zoka est devenu riche jusqu'à... Il ne reconnaît plus les gens. Non, il ne reconnaît plus les gens. Quand je suis sorti, quand je l'ai vu, je suis allé vers lui pour lui dire bonjour Zoka, je suis ton ancien voisin. Mon vieux, de toute façon, il m'a balancé là-bas. Il m'a même insulté. Mon pied m'est tombé dans le caniveau. Il t'a raté. Comment? Toi-même, tu sais que ça fait 8 mois que ce monsieur-là n'a pas mis ses pieds dans cette cour. Quelle idée d'aller le saluer. Ce monsieur ingrat, impoli. Florence, c'est notre ancien voisin. C'est pas là il habite. Toi-même, tu as bien dit ancien voisin. Est-ce que vous deux là, vous êtes même chose aujourd'hui? On n'est pas même chose d'être. Voilà. Mon cher, va déposer ton sac, tu vas aller te laver et puis tu vas manger. Ah, ça c'est vrai. J'ai dit, depuis matin, je n'ai rien mangé, mais de toute façon, j'ai faim là. Je t'ai fait du cabato. Ah, Florence. Tu me disais très bien que je n'aime pas cabato. Tu n'aimes pas cabato? J'ai quand même cabato, cabato. Va manger caviar. Quand toi tu sortais d'ici là, ce matin là, tu as laissé quoi à la maison? L'argent qu'elle a laissé, c'est pas beaucoup. Toi tu as laissé quel argent? J'ai laissé 500. J'ai dit, quand on est pauvre là, on n'a pas de totem. Ah, je dirais, pauvre trépas nourriture. Yeah, voilà, voilà, pardon, faut piller dans notre affaire. Ma chère, va régler ce soir les cabatons. Je vais mes encaissements. Florence, c'est toi qui parles mal de moi dans cette cour-là. C'est ça? Qui comment? C'est Hubertine qui m'a dit ça. Qu'est-ce que tu allais dire au dehors là-bas? C'est toi qui dis aux gens que moi, je suis vilaine. Mon mari n'a rien. Je mange mal. J'ai une vilaine femme. C'est pas ça. Où est le chauffeur là? Pour moi, taxi ici, là, c'est difficile. Mais c'est Samira? Oui, mais c'est vrai, c'est Samira. Samira! C'est pas vrai. Lolo Diana! Ah, ma copine! Lolo Diana! Attends, je crois même pas. Maman belle. Maman! Comment? On dit chérie, pas. Quoi? Mais qu'est-ce que tu as toute mise là? C'est ça, ça va maintenant. Je suis mariée. C'est pas vrai. Oui. Mais je continue, je te fais le show. Non, attends, tu es mariée. Oh, écoute, laisse ça. Mariage, attends, vous allez aller connaître chez moi. Mais vous allez dans un show. On va dans un show, mais pour connaître chez toi, la show n'a qu'à rien. On a beaucoup de choses à faire. Ça va. C'est la meilleure. Il y a rien, on peut faire du bien. C'est ça, non?
Ma soeur, il faut te calmer. J'ai dit, moi là, est-ce que moi, je peux te critiquer? Est-ce que je sais? Toi qui m'as rendu plein de services dans cette mais dans cette poule. Moi, je ne peux pas te critiquer, ma soeur. Mais qui parle mal de moi? Hubertine. Hubertine. Elle qui a dit que tu es confondue, tu es vilaine. Tu n'as rien dans cette poule. Seigneur. Mais je t'ai dit, elle est mauvaise. Seigneur. J'ai failli la frapper, on a failli se battre à cause de ça. J'ai dit, cette dame-là, hey. Elle est gentille, ici, là. Hubertine. Qu'est-ce que tu allais dire dehors là-bas? Comme ça, tu parles mal de moi. Je suis mal en forme. J'ai une vilaine forme. Je mange mal. Mon mari n'a rien. Mon mari n'a rien. Je dois dans la maison et puis je mange. Mais où qui a... T'as déjà dit à qui? Personne. Personne comment? Hubertine. Mais qui t'a dit? Qui m'a dit? Qui m'a dit? C'est Florence qui m'a dit. Quoi? C'est Florence qui m'a dit. Pardon. Viens ici. Viens ici. C'est Florence qui m'a dit que c'est toi qui parles mal de moi dans cette cour. Attends. Toi qui as dit quoi ici? Hein? Et puis qui va où? Moi, j'ai dit quoi? Celle qui a commencé va terminer. J'ai dit quoi? Hein? Mais toi qui es mauvaise, j'ai fait quoi? Regarde, hein? Au nom de Dieu, c'est elle qui a dit ça. C'est elle qui a parlé de toi. C'est elle, hein? C'est elle. Qui a parlé d'elle? Hein? Moi, j'ai dit ça. Ce n'est pas toi qui a dit qu'elle est mal habillée, que ses pieds sont à deux pieds gauche. Hein? C'est pas dit... Non, 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 non. C'est moi, j'ai dit que la femme de Zon est jolie. J'ai dit la femme de Zon seulement. Toi, tu as dit qu'elle est confondue. Elle est vilaine. Ses deux pieds là sont comme ça. Mais mais tu n'es pas fier. Je te dis au nom de Dieu, c'est elle qui a commencé. C'est elle qui a commencé, hein. Attendez, je vais vous dire quelque chose. Moi qui suis là à la quête. Moi, je suis une femme mariée, donc je me respecte. Vos enfantillages, là, je ne suis pas dedans. Je n'aime pas parler, ok? Femme mariée qui se tresse en derrière les petits bandits, là. Je suis mariée. Mais je suis dépassée. Quelle histoire? Ma chérie, voici Dieu. Moi, j'ai toujours parlé bien de toi ici. J'ai toujours dit que vraiment la femme de Zon là, c'est une femme qui est bien. En tout cas, elle me plaît parce qu'elle a un joli teint. Je vais même aller te voir, que tu montres ton secret. C'est ce qu'on parle, c'est ce qu'on parle toujours. Arrête pour toi là. Je sais que c'est toi. Ce n'est pas moi. C'est toi. Si tu n'as pas de miroir chez toi, va dans mon salon, tu vas te mirer. Tu m'entends? À partir d'aujourd'hui là, à partir d'aujourd'hui, fais très attention à moi dans cette cour. Toi, tu es une vilaine femme, tu ne vois pas ça? Mais si vous me provoquez dans cette cour-là, je vais vous montrer mon comportement bête la même. Et à partir d'aujourd'hui, je vais changer de comportement. Je suis une femme mariée aussi. Je suis mariée. Non. Vous êtes qui? Vous vous promenez, vous vous habillez ici. On s'en fout de ça ici. N'importe quoi. Regarde comme elle est vilaine. Hey, Flo, Flo, bien sûr, parlez. Je n'en peux plus. Eh bien, écoute, pour me parler, tu n'as pas besoin de te mettre dans cet état. Tu m'appelles, je m'assois et puis je t'écoute. Oui, il s'agit de quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Chérie. Oui. Quand j'ai rentré dans ce foyer, oui. Tu m'as dit que tu ne voulais pas de dispute dans cette maison. Ah non, franchement, je ne supporte pas ça. J'ai horreur de ça. Je n'aime pas. Que quand tu vas au travers, s'il y a quelque chose qui se passe ici, de t'attendre. Oui. Si tu viens, oui. On va en discuter ensemble. Oui. Mais depuis que je suis arrivée ici, chérie, je fais tout pour mettre Mélissa à l'aise. Je suis toujours à la disposition de Mélissa. Mais Mélissa ne fait rien vraiment pour être aussi à ma disposition. Mélissa fait ce qu'elle a envie de faire, chérie. Mélissa sort quand elle veut. Quoi? Mélissa rentre quand elle veut. Tiens. J'ai même appris qu'elle est un amant dans le quartier. Quoi? Elle raconte partout que je suis une raseuse, que je suis venue détruire son foyer. La cuisine, non, Mélissa ne fait pas. Tu as même dit que Mélissa avait 3 jours, que moi j'avais 2 jours en cuisine. C'est mes filles qui font tout. C'est pas. Mais comme je n'en peux plus, chérie. Non, 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 non. Alors là, non, 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 c'est moi qui t'en veux. Je t'en veux, Samira. Comment est-ce que tu as pu laisser de tels dysfonctionnements dans la maison sans réagir? Mais chérie, si je te disais, Mélissa va penser que je vais la chasser pour rester seule. Mais attends, et toi, tu as dû endurer tout ça, mais pense à ta santé, à tes ulcères. Tu es de santé fragile, ne l'oublie pas. Et tu ne dis rien. Mais si je t'en parle, Mélissa va penser que je vais la chasser de ce foyer pour rester seule. Mais qu'elle pense ce qu'elle veut. Mais il faut qu'on se respecte dans cette maison. Chacun a sa place.
Merci, chérie. Mais... Non, mais elle va m'entendre. Mélissa va m'entendre. Mélissa! Non, 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 chérie. Pas comme ça. Ce qu'on va faire, tu vas au travail comme s'il n'y avait rien. Tu vois? Mais tu rentres plus tôt que prévu. Toi-même, tu vas voir de tes propres yeux. Tu ne vas pas venir trouver Mélissa à la maison ici. Comme ça, si tu te plains, on sait que toi-même, tu as vu. Tu vois, non? C'est vrai. C'est pas mieux ici. C'est vrai, tu as raison. Parce que là, elle donne les propres raisons de son renvoi. Non, tu vois, non? J'avoue que c'est très intelligent. En fait, tu vois, je ne regrette pas d'avoir fait le choix sur ta personne. Merci, chérie. Allez. Bonne journée, chérie. Mais en attendant, calme-toi. Tu as compris? Non, je ne dirai rien. Allez. Ce soir, chérie. À ce soir. Mélissa, aïe, tout ce que je fais dans cette maison pour chasser Mélissa, ça ne marche pas. Mélissa, elle est toujours à ma disposition. Mais aujourd'hui, là, je sais que mon plan va marcher. Elle va partir d'ici. Ah, Mélissa. Voilà toute l'histoire, pasteur. Je comprends, ma sœur. Mais ne nous décourageons pas pour l'instant. Parce qu'avec notre Dieu, il n'y a rien d'impossible. Zoka est sûrement sous l'emprise du diable. Et une chose est sûre, par la prière, Dieu peut tout faire. Dieu peut tout faire. Pasteur. Oui. Comme toi-même tu viens de le dire, oui. Rien n'est impossible à Dieu. C'est clair. Et comme c'est toi, l'homme de Dieu, ouais. Alors vraiment, je compte sur toi pour régler cette histoire. Oh, c'est le Seigneur qui va nous aider à résoudre ce problème. Je ne suis qu'un simple serviteur, un serviteur insignifiant en plus. Et c'est Dieu qui agit, c'est lui qui exauce. Donc, tu diras à M. Aka que je voudrais voir M. Zoka. Parce que il faut que je parle avec lui. Il a besoin de délivrance. Il est sûrement sous l'emprise du diable, tu sais. En tout cas, ça, la même, c'est l'emboutement, pasteur. Ouais. Mais Dieu est puissant. Il va le faire. Il va le faire. Ce foyer va être restauré. Donc, gardons la foi. Dieu va faire. Ouais. Pasteur. Oui. J'ai un autre sujet de prière à te confier. Ah bon? Et c'est lequel? Depuis après la naissance de ma fille, oui, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a plus rien. Donc... Plus rien? Vraiment... Plus rien, soit beaucoup plus explicite. Bon, c'est-à-dire, il n'y a plus de grossesse. Ah, d'accord. Oh, mais ça, c'est un petit problème. Tu sais, Sarah, la femme d'Abraham était trop âgée. Et Dieu lui a donné quand même un enfant. L'enfant qu'elle a souhaité. Et toi, si Dieu a fait pour ces personnes, pourquoi pas toi? Tu es dans le plan de Dieu. Il va le faire aussi pour toi. Il va te donner cet enfant. Je vais en parler d'ailleurs avec mon épouse. Et oh, c'est dommage, elle est sortie. Si elle avait été là, j'allais lui en parler devant toi. Mais je vais lui en parler quand elle va venir. Tu vas voir, Dieu va faire des merveilles aussi. Nous allons prier pour ce sujet, c'est important. Il te faut un nouveau bébé. Je vais moi-même le baptiser, le consacrer à l'Éternel. Voilà. Merci, pasteur. C'est moi qui te remercie d'être passé. Je vais demander à partir. Oh, gloire à Dieu. Je vais prier pour ton départ. Seigneur, je te confie ta servante, Madame Aka, qui est venue me voir. Nous avons beaucoup parlé et nous savons une chose, celui qui exauce, c'est toi. Accompagne-la. Et donne-nous cette victoire afin que nous glorifions ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, pasteur. Allez. Merci, Seigneur. Au revoir, madame. Au revoir, pasteur. Mais tu vas d'abord aller te laver. Tu t'habilles proprement, Mélissa. Bien maquillée. Parce qu'il ne faudrait pas que tes parents pensent que tu es maltraitée dans cette maison. Tu as compris? Bon, tiens. Tu vas aller payer mes médicaments à la pharmacie, maman. L'ordonnance est sur la table. Hey,
Là-bas, elle est loin de... Il y a des pharmacies à côté, si je peux partir là-bas. Mélissa, je ne veux pas. Qu'est-ce qu'il y a? Les pharmacies qui sont ici, là. Il n'y a pas de médicaments dedans. C'est toi qui es malade, c'est moi qui suis malade. Mmh, ah. Non, c'est à cause de la cuisine. Comme je dois venir terminer la cuisine, tout ça, je n'ai pas encore fini. Je ne sais même pas quelle heure il est. Si elle est jusqu'à là-bas, là. Elle est venue très tard. Mélissa, je me fous. Si tu veux, tu peux revenir à 22h. Si tu veux, tu peux revenir à minuit. Mais avec mes médicaments. Tu as compris? Bon, tu peux partir. D'accord, tant pis. Et puis tu marches pas n'importe comment pour rentrer dans ma chambre. Là-bas, tu as essuyé ce matin. Mmh. Ok. À tout à l'heure, Mélissa. Merci. Mmh. Au revoir. Tu es sûr que le plan de maman va marcher? Aussi sûr que je te vois assise là devant moi. Tu sais, j'admire notre mère parce qu'elle a toujours eu ce qu'elle veut. C'est vrai, tu as raison. Maman a toujours eu ce qu'elle veut, mais dans le mal. Et là, c'est pas bien. Et puis Mélissa m'a trop fait pitié. C'est pas bien, Claudia. Ah! Parce que toi aussi, tu veux faire la morale aux gens. Pas avec ça. Hein? Et puis dis-moi, si notre mère ne se comporte pas comme ça, et qu'on nous chasse de cette belle maison que tu vois là, on va aller où? On va aller où? Maman a toujours eu la solution à nos problèmes. Ah. Et puis c'est comme ça, elle s'est comportée avec ses maris, et puis on s'est retrouvés dans les quartiers précaires. Attends, mais qu'est-ce que tu racontes là? Je vais aller lui dire, et puis on va voir sa réaction. Pardon, il faut me laisser ici, je ne veux pas avoir problème avec maman, pardon, laisse-moi ici. Et puis voilà, ton problème avec Fred là, c'est passé comment? C'est vrai qu'il essaie de te violer. Nadine, je t'emmerde. Tu as compris? Il a fait quoi? Ou bien c'est parce que je suis assise là devant toi que tu as le temps de me raconter tes bêtises là? Mais c'est pas toi qui viens de parler de Freddy ici, Freddy par là. Oh, ferme ta bouche là-bas là! Chut! Telle mère, telle fille. Vraiment, ici il est poussiéreux comme ça. Oh, je suis la seule à tout faire dans cette maison. Je comprends rien. Oh. Non, non, dis-moi que c'est faux. Parce qu'en plus, c'est toi qui fais la... C'est toi qui nettoie les meubles. Mais qui va faire, chérie? Depuis que tu es partie ce matin, j'ai préparé, j'ai nettoyé la maison, j'ai fait la lessive. C'est à 19h là que j'ai le temps pour nettoyer. Mais attends, mais Mélissa, elle est où? Mélissa! Dès que tu es partie, dès que elle aussi elle est partie. Quoi? Jusqu'à 20h, 19h là, elle n'est pas encore rentrée. Ah non, non, attends, dis-moi que je reviens. Non, attends. Parce que non, ça ne peut pas, ça ne peut pas être vrai. Non, mais attends, non, attends. Je ne pense pas que ce soit vrai ce que tu es en train de me dire. Ah, tu viens d'où? Tu viens d'où? C'est quoi ça? C'est toi qui m'as envoyé? Moi, je ne t'ai pas envoyé. Ça ne veut pas chez toi? Attention. Attention. Non, non, non. Tu vas te taire et m'écouter. Ma maison ne doit pas servir de base arrière à la prostitution déguisée. Ça, c'est vrai. S'il y a des choses que je ne supporte pas, c'est galvauder mon nom. Et à partir de cet instant, avec ce que tu viens de faire, tu te mets dans une logique de renvoi. Tu vas, tu prends tes affaires et tu fous le camp de chef. Moi, je ne fais pas. Moi, il faut que je t'explique. Écoute bien. Moi, je ne fais pas. Mélissa, tu vas m'énerver et tu vois que tes yeux pour pleurer. Va prendre tes affaires et tu pars de chez moi. Je ne prends pas. Je ne prends pas. Tu ne veux pas partir. Tu ne veux pas partir. Je ne veux pas. Tu ne veux pas prendre tes affaires. Ok. Attends, je regarde. Mais t'as dit quoi? Je ne bouge pas. Voilà. Et moi, j'en ai marre. Tu as vu la chute de ton sac? Tu as vu? Regarde, il faut que je t'explique d'abord. Deux fois. Ok, il faut que je t'explique d'abord. Il n'y a pas de... Tu vas te tirer sur ton devant. Tu vas partir. Il y a des choses que je ne peux pas supporter. Je ne peux pas me calmer. Non, faut te calmer. Tu sais quand même que je suis de naissance noble. Ça, c'est vrai. Alors, de là à ce qu'on dise partout, oui, la femme de Zoka, la femme de Zoka. Mais ça jette un discrédit grave sur les mains de ma famille. Ah, et on va où avec tout ça? Assieds-toi. Non, mais Mélissa, elle me déçoit profondément. Je viens de me rendre compte que je me suis trompé sur toute la ligne. Et ça, ça fait mal. Oh, écoute, Mélissa est déjà partie. Moi, je suis là. Chérie, moi, je te promets de m'occuper sérieusement de toi. Tu auras tout ce que tu veux.
Je suis là. Oh, oui, oui, si, ça va me calmer. Prions. C'est qui ça? Fatim! 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 S'il te plaît, va voir la porte. Qu'est-ce qui se passe? Elle ne met rien pour attendre celle-là. Ah oui. Fatim! 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 Prends les affaires de ta tante. Nadine, on sonne. Oui, papa. Va ouvrir. Nadine, Nadine arrive. Entrez, monsieur. Papa, c'est le pasteur. Je vous salue dans le nom de Jésus. Mm-hmm. Oui, vous êtes qui? Je suis le pasteur Léon Paul et je souhaiterais parler à monsieur Zoka, s'il le veut bien. Oui, monsieur Zoka, c'est moi. Alors, monsieur Zoka, si ça ne vous dérange pas, j'aimerais vous parler en privé. Allez, avec la permission de madame, bien sûr. On va avoir la permission de madame. Monsieur Léon, regarde-moi ça. Il a bien mon main joquée, il débarque chez moi. C'est toi qui me donne les gens chez moi ici. Monsieur Zoka. Regarde ses lunettes, on est professeur de biologie. N'importe quoi, je suis pointu, on s'en fout de toi. Veste froissée que tu as portée dans mon mari, en a plus. Calmez-vous, madame. Chérie, attends. Mais là, attends. Mais agis comme un homme alors. Un homme dans cette maison. Ah, on dirait pas, hein. Oui, c'est pour me parler de quoi? D'un sauveur qui s'appelle Jésus qui peut apporter du bien dans votre foyer. Parce qu'on t'a dit que moi, je suis en danger. Vous savez, le Seigneur a dit dans sa parole. Le Seigneur a dit. Quand le Seigneur a dit là, toi-même, tu as dit quoi? Voilà. Toi, tu as tes dents gonflées là. Toi, adulte majeur vacciné là, toi, tu dis quoi? Toi, tu as dit quoi? Il m'envoie vers vous, monsieur, pour vous dire de revenir à lui. Il peut encore vous sauver. Okay. Voilà. Okay. Mon ami, on n'a qu'à se respecter. Non, attends. On n'a qu'à se respecter. Veste comme ça là. J'en ai. Cravate, j'en ai. Les carrelés de rue, j'en ai. Jésus vous aime. Je dis, mais moi, d'accord, mais moi, je ne suis pas obligé de la mettre ni de ta main. Mon ami, Sarah, on ne me finance pas avec ça. Hein. Les vestes comme ça, à petit rayures comme ça. Là. Non, j'en ai. J'en ai même rayé même, j'en ai. Donc, les petites cravates pointues comme ça, ça ne peut rien me faire. Jésus t'aime. Est-ce Dieu que t'aime. Je peux vous parler en privé, non, monsieur. Non, sors. Je veux bien partir, mais est-ce que vous avez entendu ce que j'ai dit? Dieu veut vous restaurer. Mon cher. Le restaurant, c'est pas ici. Sors de chez moi! Oh! Mon ami, pardon, faut qu'on se respecte. Sors! Je reviendrai, monsieur. Non! Si tu as fait erreur pour revenir. Oh! Sors! Regarde-moi lui là. Ça, c'est escroc. Oh, n'importe quoi! Regarde. Chérie, viens t'asseoir. Regarde-moi celui-là. Ils sont comme ça, ils sont comme ça dans la vie. Ils se promettent de maison en maison. Dieu t'aime. J'ai dit, il faut qu'on prenne des gardiens. Non, mais c'est vrai. Mais sinon, on demeure carrément de cette maison. Nous sommes pas en sécurité. Nous sommes pas en sécurité. N'importe qui va rentrer chez nous. Ça, là, c'est des expressions versées comme ça dans la vie. Jésus t'aime. Nous aussi, on aime Jésus. Nous aussi, on s'aime entre nous ici. Oh! Tu sais, chérie. Oui.
Toi, tout à l'heure, avant que l'homme de Dieu n'arrive, je n'étais pas trop inspiré. Voilà pourquoi je résistais à tes avances. Mais ces échanges avec le pasteur m'ont mis dans un état tel que j'ai envie de satisfaire certaines envies. Ça, c'est le départ. Allons pour le plat de résistance à l'intérieur. Zoka! Merveille! Oui, va, Zoka! J'arrive! Maman? Chérie? Oui? Ah, tu es arrivé? Oui. Ça va? Mais oui, ça va. Reste fait ici. Ma chère, je suis un peu fatiguée. Un peu d'eau? Non, je suis soulagée parce que je te vois. Et la prière, tu as pu faire la prière? Oui. Oui et non. Ah bon? Oui et non parce que Zoka et sa concubine ont été très hostiles. Sa deuxième femme, hein? Oui. Et oui, parce que j'ai réussi à prononcer le nom de Jésus-Christ dans la maison. Vraiment. Et c'est ça le plus important pour moi, dans un premier temps. Vraiment. Voilà. Mais on reste en prière parce que Dieu est fidèle. C'est ça. Je pense que Zoka, Dieu a un plan pour lui. Vraiment. Ça ira mieux. Oui, il ne faut pas qu'on se décourage. Hein. Ouais, c'est vrai. Tu sais, comme la Bible dit, hein, ce n'est ni par nos forces, ni par nos intelligences que nous pouvons convaincre Zoka et sa femme. Non, pas du tout. Mais c'est l'Esprit de Dieu. Ouais. Et comme je te connais... Il faut dire aussi que je m'attendais un tout petit peu à sa réaction. Hein. Ça ne m'a pas étonné du tout. Mais Dieu soit loué, tu es là et nous restons en prière, tu vois. D'accord, bon, donc on va prier un peu pour la famille. Ah, c'est une très bonne idée. Oui, afin que le Seigneur me puisse les toucher véritablement. C'est pour ça que Dieu t'a mise à mes côtés. Je t'aime, tu sais. Merci, chérie. On va prier. D'accord. Oh Seigneur, tu n'as jamais fait défaut à tes enfants. Seigneur, ton nom est puissant pour guérir, ton nom est puissant pour restaurer. Seigneur, ton nom ne nous a jamais fait défaut. Et Seigneur, nous savons une chose. Zoka et son épouse vont revenir ensemble et vont être un homme et une femme. Tu agis dans ce foyer. La restauration sera là. Parce que là où ton nom est prononcé, ce nom est puissant pour restaurer. Merci. Parce qu'en toi, j'ai foi. Et Seigneur, ce n'est pas pour rien que tu m'as choisi. Si tu m'as permis de rentrer là-bas, c'est que tu me permettras de rentrer et de remporter la victoire. Amen. Fatigue même. On dirait même pas qu'elle nettoie la maison. En plein dimanche comme ça, tout ici, les sables. C'est quoi, tu parles seulement? Je vais comprendre ma souris. C'est les enfants, ils sont tous pareils. J'ai dit, allez. Je voulais te parler, enfin, ton mari et toi. Ah bon? Okay, il est en train de prendre son petit déjeuner. Je vais le chercher alors. D'accord. Chose la plus simple. On peut en parler tout ça, simplement, non? Est-ce qu'on a besoin de crier pour demander de l'argent? Zoka! Zoka! J'ai dit, Zoka! La voilà, elle arrive. Ce que je t'ai dit dans la chambre, tu dis quoi? Non, je dis... Non, mais quand même, attends. Samira, rappelle-toi quand même que la semaine dernière, je t'ai donné 700 000 francs. C'est pas rien. Zoka, 700 000 francs, c'est quoi? Quand tu me regardes là, moi, Samira, là, 700 000 francs, c'est quoi pour moi? J'ai pris les 700 000 francs pour m'acheter un bijou. J'ai dit, il faut me donner 1 million. Zoka, donne-moi un million. Où tu veux que je trouve 1 million là actuellement pour je te remettre? Je m'en fous. Zoka, donne-moi les 1 million. Je vais sortir ce matin, j'ai un show le soir, bien d'argent. Mais maman, écoute, laisse-moi aller au travail. J'ai rendez-vous avec des clients importants. Si je les rencontre... Maman, les promesses que tu fais, puis tu ne tiens pas là. Zoka,
le soir, si tu rentres ici, Soka, si tu ne me ramènes pas les 1 million, surtout Soka, moi là, je suis plus qu'un virus, est-ce que tu me connais? Si tu reviens ici le soir sans les 1 million, Soka, ce que je vais te montrer, tu vas voir. Allez, dégage! Va au travail, tu vas me trouver ici le soir. Grave, c'est pour vous dire merci. Merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. Cela fait exactement 8 mois que Zoka m'a chassé. Et depuis 8 mois, je suis avec vous. Et vous m'avez soutenu moralement comme financièrement. Vraiment, je voulais vous dire encore une fois merci. Et profiter en même temps pour vous demander la route. Je vais aller au village, voir la vieille, comme elle est seule là-bas et puis elle est malade et tout ça. Aller voir ce que je peux faire auprès d'elle, l'aider, la soutenir, quoi. Vraiment, merci beaucoup. Tu as entendu ce que ta sœur a dit? Oui, chérie. Effectivement, il y a longtemps de cela, elle m'en a parlé. Mais j'ai toujours repoussé son départ. Il y a 8 mois de cela qu'elle est avec nous. J'ai pensé qu'après, Zoka allait revenir à de meilleurs sentiments, à chercher. Mais jusque-là, rien. S'il n'était qu'à moi, elle pouvait rester ici définitivement. Tu connais ma position à ce sujet. Tu es chez toi ici. Tu viens quand tu veux. Pour ton voyage, j'ai envie de dire que nous allons vers la fin du mois. Je vais donc te demander de rester encore quelques jours afin de voir dans quelle mesure on pourra te donner un peu d'argent pour commencer un commerce là où tu vas. Aka, merci beaucoup. Merci. Oh. Hey, Dieu. Hey, Mélissa. J'ai envie de dire que nous allons vers la fin du mois. Je vais donc te demander de rester encore quelques jours afin de voir dans quelle mesure on pourra te donner un peu d'argent pour commencer un commerce là où tu vas. Aka, merci beaucoup. Merci. Oh. Hey, Dieu. Hey, Mélissa, c'est pas le moment de pleurer, hein. Tu as maintenant Dieu dans ta vie. Ok? Mets ton confiance à lui, il fera le reste. Amen. Coco, 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 Samira! Ma copine! Il n'y a personne à dire là. Copine! Copine! Samira! Je suis là! Samir, mais tu es où? Sors là, ta copine, sors là, chérie! C'est comment? Batali va tuer ça! Comment? Qui va se négliger à bien? Ça, c'est vrai. Asseyez-vous, les gars! Merci! Mais comment elles sont stables? Vous êtes toutes belles là! Vous êtes dans un show? Mon chien, on va dans un show, mais on peut pas aller dans le show sans toi. On est venu te chercher. Tu as vu? Hein? Ben, tu dormais à cette heure-là encore. Ma chère, laisse-la. Elle vient nous dire qu'elle est mariée. Ma chère, où est le mariage là? Où est mon mari là? C'est pas Zoka qui m'a énervé ce matin là. Elle va même me trouver ici. Je comprends. Je comprends pourquoi tout à l'heure nous a salué bizarre, bizarre. Façon, façon. Je t'ai dit. Ce que je connais, elle est là. Osez-vous saluer bizarre. Je t'assure, ma chérie. Il va venir me trouver. Oui, en tout cas, elle a qu'à te trouver. Ça va me trouver? Ma copine, n'importe quoi. Tu exagères. Laisse le monsieur la respirer un peu. Elle est âgée comment? Non, elle est âgée comment? Garçon de maintenant là, il faut le maltraiter qui va te respecter. L'autre a dit. Ma copine. C'est comme ça. Beaucoup de quoi? C'est vrai. Ma copine, toi-même tu sais. Tu sais quel sacrifice tu as fait.
Ça arrive là. Basse là, ça finit. Va voir le vieux là, va appuyer un peu. Si tu dors, que ça t'explose au visage là. Ça c'est vrai. Mes copines, ça sûrement c'est. Attends, je vais aller prendre mon sac, tu vas m'accompagner chez le vieux. Parce que ces derniers temps-là, Zoka est devenu bizarre. Ah. Il n'est plus docile comme avant. Il faut que je voie chez le vieux. Non, non, non. On va t'affairer. On va t'affairer. Ma copine, tu es pressée. Fais ça. Il pleut pas. Soleil, ça brille trop. Il pleut pas. Il lui dit. Ma copine, tu te rappelles de mon gars qui vit à Beng, non? Cédric. En plus, elle a la mémoire toute fraîche. Hé, copine. Regardez le poids. Je te dis pas, il est à Abidjan. Actuellement, il est dans la capitale. Ah, tiens-toi bien, sois-toi, ma copine. Il n'est pas seul, hein. Il est accompagné de deux de ses camarades. Ma copine, l'autre là, c'est pour Lolo. Ah, l'autre, je l'ai réservé pour toi. Si tu le vois, ma copine, joli garçon. Les yeux métalliques, comme tu le fais. Ah, aussi. Ça va confiance ou bien? Bonne petite bouche bien embrassée. Demande à Lolo quand je lui ai parlé de toi, il tremblait comme ça. Il est pressé de te voir. Quelle est cette manière de toujours t'y empagner? Regarde-nous. Regarde là, regarde. Lolo! Regarde. Je suis une américaine. Regarde. Tu as vu la copine? Ah, ça, c'est pas une américaine qui est là. Ça, c'est vrai. Ah, bon. Qui dit mieux? Une américaine. Qui dit là, mieux? Regarde, regarde. Bon, va te changer, va te changer. Laisse, je vais aller voir. Comment le gars va me voir? Tu n'as pas confiance. C'est pas ma Samira là. Samira. Samira. C'est vite ton Zoka là, je le sens pas. Hé, Mélissa. Je parie que tu penses à mon frère. Freddy, et si je te disais comme ça que je n'ai jamais cessé de l'aimer? Où je suis là? S'il vient me demander pardon maintenant, je vais accepter. Parce que je sais que tout ce qui se passe là, ce n'est pas de sa faute. C'est cette vipère là, cette sorcière qui est là-bas là, celle qui l'a envoûtée. Vraiment, Mélissa, tu es une femme exceptionnelle. Mais je veux te demander une chose, quoi. Pardonne-moi pour tout le mal que je t'ai causé par le passé. Oh, toi-même, tu l'as dit, hein, c'est le passé, c'est le passé, c'est fini. Hein? Ouais. De toutes les façons, tu es une victime comme moi. Hein? Donc, tout ce qu'on peut faire, c'est de se mettre ensemble pour pouvoir délivrer ton frère. Il y a M. Aka qui m'a dit que tu pars au village la semaine prochaine. Tu vas aller un peu au bas. Mais c'est pas trop sûr que je sois là. Oui, c'est pas. Tu vas prendre cette somme de. Enfin, il y a 5000 francs dedans pour ton transport. Quand j'aurai un bout de temps, je te trouverai au village. Je perds temps. En tout cas, ma copine, je suis là. Waouh! Waouh! C'est ça, ma copine! Ou bien, tu es plus qu'une pénisse? Attends, tu sais t'habiller comme ça, puis tu es en train de chômer dans la maison de. Voilà! Mes copines, tous mal. Tu sais, moi, je cherchais un foyer. Je cherchais une maison pour m'asseoir. Tu sais qu'à Abidjan, là, oh là, ça coûte cher. Non, ça coûte cher. Maison, ça coûte cher. Maison gratuitement, il vient me coucher. Et puis, je vis sans là. Tu sais, c'est la maison. Est-ce qu'il me connaît? J'ai dit, mais ça coûte plus tout de même. Tu connais pas Sam ou bien? Il y a ça. Achète ça. Sammy. Attends, j'ai dit. Achète ça. La petite côte. Tu vois comment elle est squelettique là? Oh, mais. Ah!
comment ça va? Ça va. Comment oui, ça va? Ça va bien. Mais dis donc, il y a longtemps, je prends ta nouvelle. Dis. Mais toi, tu n'appelles plus les gens. Hein? Depuis que tu es mariée, là, tu n'as même plus visite. Mais je suis en prison. C'est quelle prison dorée, ça? Tu es toute belle, là. Tu dis prison. Est-ce qu'il voit ça? Est-ce qu'il voit beauté, là? Aïe. Je te sers un peu à boire. Non, ça va, merci. Ah, il y a du jus, il y a... Non, ça va, laisse tout ça, là. Je suis venue te voir. Toi aussi, mais prends quelque chose au moins pour me faire plaisir. D'accord, il faut apporter, comme tu insistes, là. Flora! Flora! Oui, Daddy. S'il te plaît, envoie du jus et deux verres. Ma chérie, on dit quoi ici? Ma chérie, comme ci, comme ça, on est là, on ne se plaint pas. Seulement, j'ai appris quelque chose. Quoi encore? Ta soeur, Samir est là. Samira que je connais, là, il paraît qu'elle s'est mariée. Yeah. Je suis venue vérifier, c'est vrai ça? Samira s'est mariée, oh. Hein? Avec un homme riche, un homme doux, gentil, merveilleux. Mais malgré ça, ce qu'elle lui montre. Elle va lui montrer quoi? Elle ne respecte pas aucune soumission. Samira. Le monsieur a chassé sa femme pour Samira. Oh. Elle le maltraite. Mais pourquoi? Comme... Pourquoi elle se comporte comme ça? C'est jeunesse, ma soeur. C'est jeunesse. Mais qu'est-ce qu'il apprend? Ma soeur, elle est avec un groupe de célibataires, endurcis, de filles, de vieilles filles là, qui ne veulent pas se marier. Les filles périmées d'Abidjan, là, c'est ça Samira suit. C'est avec elle que Samira marche. Ah, Seigneur. J'ai dit Samira, là, c'est pas la peine. En tout cas, il faut lui parler de mariage, là, on ne trouve pas. Bon mariage, là, on ne gagne pas. Si elle a eu une petite place, elle est là-bas, qu'elle reste tranquille. Elle ne sait pas ça, d'ailleurs. Elle ne sait pas ça. C'est une grâce. Je dis, elle ne sait pas ça. Vraiment, ce n'est pas possible. Elle ne sait pas ça. Là, ton beau qui arrive. Edith. Ah, monsieur Bra. Bah ouais, comment ça va? Ça va bien. Toujours belle. Merci. Mais tu viens plus nous rendre visite, hein? Aussi, c'est toi qui as oublié ma femme. À la maison. Tu n'es jamais là. C'est le travail, C'est deux temps, je suis tellement occupé et puis bon voilà, c'est tout est scotché là. Quel travail. Oh, arrête ta jalousie là. J'aime trop travail. Ça. Bon, Edith, j'ai un rendez-vous avec mon mécanicien, donc je vais partir. Tu vas où? T'as quel problème toi-même? Attends, tu cries pourquoi? J'ai dit tu vas où? C'est ce que j'ai dit. Tu es sorti vendredi. Oui. Je rentrais ce matin. Tu t'es un peu reposé là, tu ressors encore. Yad Bra, je n'aime pas ça. Hein. Tu n'aimes pas quoi? Je n'aime pas ça. Hein. Zoka, est-ce qu'il me connaît? Zoka, il sort quand il veut, rentre quand il veut. Est-ce que Zoka me connaît? On dirait ce que je lui ai montré la dernière fois, il a oublié. Hein. Il va venir me trouver ici. Zoka va venir me trouver ici. Mais tout ça, c'est quoi dans cette maison-là? Oh. Maïmon, tu parles ce même. Attends, tu n'es pas dans cette maison? Tu ne te rends pas compte de la situation en train de m'échapper? Hein? Quelle situation? Tu es aveugle, Nadine. Tu es aveugle. Faut rester là. Qui vont nous chasser et qu'on va se retourner d'où on vient là. C'est là que tu vas te rappeler. Maman, pardon. Il est temps que tu mettes un peu d'eau dans ton vin. Maman, tu es exagérée. Je ne veux pas mettre un peu d'eau dans mon vin. Le vin là, je le préfère sec. Tu traumatises le monsieur là. Tu le maltraites trop. Tellement tu le traumatises, mais il a peur d'entrer. Et si ça conduit comme ça, il va nous chasser et puis on va retourner d'où on vient. Nadine. Maman, pardon, faut diminuer tes paroles. Nadine. Tous les jours par là. Tous les jours, elle est fatiguée. Garçon là, ma fille. Garçon aime les femmes qui les dominent. Garçon, femme qui est gueule là. C'est ce que garçon aime. Tu te trompes, maman. Les hommes les aiment, les femmes douces. Tu exagères tous les jours par là. Le monsieur, il est fatigué. Il a peur même d'entrer dans sa porte. Toi, tu es qui dans cette maison même? N'importe quoi. Parce que Zoka, il me connaît. Il va venir me trouver ici. Je vais le dresser comme chien de blanc ici. Ce que j'ai fait à ses petits. Ce que j'ai fait à Mélisse et puis elle est partie là, ses petits. Tu vas venir me trouver ici. Dresser comme chien de blanc. N'importe quoi. Tout ça, ça va finir. Toi, si tu avais me donné conseil, tu ne sais pas faire un garçon, faire les choses chaudes. Hé, Zoka, Zoka. Ma chérie, regarde Samira. Là, tu cherches Samira où? On va t'arrêter là. Femme mariée. Là, tu m'as dit la vieille qui est plus sur la terre, fermeture à côté. Un pantalon plein de poches, je ne sais même pas, c'est un modèle ça. Un chemise. Femme mariée, elle est en casier. Je lui dis qu'elle est mariée. Il ne faut pas qu'elle marche avec les célibataires endurcis du quartier là. Les petites filles ne savent pas ce qu'elles veulent dans la vie et elles sont là. Là, comment elles sont habillées? Il faut laisser tout cela. Vraiment, allons-y là-bas.
choses. Allons-y là-bas, tu as plus les foyers. Allez, allons là. Tu m'as fait la honte. Je suis au courant de la foyer. Elle est au problème. Non, non, allons. Laisse-le regarder là. Regardez. Oh, pardonnez là. Tu quel comportement ça? Je suis fatiguée de ça, de toi, t'as compris? Ton comportement façon, c'est quoi ça? Tu es une femme mariée, tu vas faire quoi dans ma vie? Hé hey, Samira, il faut changer un jour. Il faut changer un jour. Tu dois faire quoi dans ma vie avec des fils de célibataires comme ça? Samira, il faut écouter ta soeur. Matin, midi, soir, Samira. C'est quoi? Elle est fatiguée. Bon. Ma grande soeur, oui. Tu veux qu'on parle de grand soeur à petite soeur? Vas-y. Toi, tu es mariée là. Midi, tu es à la maison. 18h, tu es à la maison. C'est toi, tu es au petit soin de ton mari. Mais tu prépares, tu fais tout. Mais tu sais quoi? La dernière fois, j'allais faire le show avec mes copines. J'arrive dans le maquis. Je vois ton mari avec une petite go batanie comme ça. Toi, en ce moment, tu es à la maison, au foyer. Je vais te dire quelque chose. Moi, je sors quand je veux, je fais le show quand je veux. Mais est-ce que je ne garde pas Zoka? Zoka, à la maison, m'attend une femme au foyer, là. C'est une femme imposante. C'est une femme qui dit ce qu'elle veut. C'est une femme qui exige ses droits. Moi, c'est ce que je fais. Ou bien? Bon, c'est parce qu'il est là que tu fais ça. Je suis née avant toi, ma chérie. Je sais ce que je te dis. Tu as compris? Une femme mariée, là, doit être soumise à son mari. Vraiment? Tu as compris? Tu ne dois pas malmener ton mari. Tu ne dois pas lui être infidèle, elle bon, tout ça là, c'est l'homme. Tu as compris? Hé, Jésus! C'est pas possible! Comportement comme ça, là. J'ai fait ce que j'avais à faire. Samira, qu'elle veut, qu'elle fasse ce qu'elle veut. Moi, je m'en fous. En tout cas, là. Ma chérie, on a parlé, elle dit c'est au théo qu'elle veut vivre. Mais si toi tu te décourages, comment? Je dis, allons-y. Samira, c'est pas ce qu'elle veut. Allons chez nous. Samira, c'est pas possible. Pourquoi t'amènes même pas ma main là pour ça? Brise ça là-bas. C'est pas qu'est-ce que j'ai fait? Mélissa. Ah, Mélissa. Pauvre de moi. Si j'avais su. Ces choses-là ne peuvent pas se prévoir. Je suis devenu presque un ivrogne. Il n'y a que l'alcool qui me permet de tenir. Cette diablesse, voici ce qu'elle a fait de moi. Moi, Zoka, cadre formé à la hiérarchie, me voilà au même niveau que les ivrognes de tous les bars. Diablesse de Samira, tu es une diablesse. Dieu même sait que tu es une diablesse. Je viens à toi, alcool de perdition, mais alcool de réconfort, compagnon de mes jours tristes. Je viens à toi,
Rends-moi. Attention, doucement, attention, non, elle dit doucement, elle dit attention. Bon, hé, l'ami, on se voit plus tard. Attention, doucement, attention. Tu as compris? Ah bon? Oui. Rester seul à la maison tout le temps. J'en ai marre de mais ça. Ta camarade est là pour te tenir compagnie. C'est mon mari. Il y a quel problème là? C'est mon mari. Si tu me faisais un enfant, tout ça n'allait pas arriver, ok? Enfant. Fais-moi un enfant. Enfant. Oh, oui, oui. C'est pas oui. Enfant, tu veux. Ah bon? C'est pas enfant, tu veux. C'est pas enfant, je rentre. J'ai acheté une télévision, une radio pour que tu puisses danser un je peu. Je suis pas chanteuse. Je rentre là. Okay? Regarde-moi ça. Toujours enfant, c'est quoi? Tu m'emmerdes. Ma chérie, pardon. Faut t'asseoir. C'est quoi? Mais il aime trop ça. Je n'aime pas ça, hein. Calme-toi. C'est quoi? C'est comme mariage, ça, là. Tu as raison, je suis fatiguée raison. De ça. Pardon. Sois, Lenga. Pardon. Pardon, calme-toi. Faut supporter. Supporter quoi? Mariage. Il y a des choses en supporte. N'importe quoi comme ça, on supporte aussi. Faut supporter. Je peux rien supporter. Mariage, là. Ah, rien n'est facile. Partout, c'est difficile. Hein? Alors, Mélissa, oui. Tu es prête pour le départ? Non, je suis prête. Je te trouve triste, là. Non, ça va. Si tu le désires, tu peux encore rester. Hein? C'est bon, je vais partir. Ok. Je prends mon sac et on y va. D'accord. Elle est où, cette secrétaire? Oui! Dans ce moment difficile, ne m'abandonne pas, ne me chasse pas. Pardonne-moi, pardonne-moi, mon frère. Je ne sais pas ce qui m'a pris, mais je ne peux plus supporter cela. Tu es un mauvais frère. Oui. Mais hélas, tu restes mon frère. Mmh.
Mais est-ce qu'il n'est pas déjà trop tard? Non. Si tu reconnais tes erreurs, il n'est jamais trop tard. Je reconnais mes erreurs. Je reconnais mes erreurs. Et je demande pardon. Aide-moi, Aka. Aide-moi. Ne m'abandonne pas. Aide-moi. Aide-moi. Aide-moi, mon frère. Aide-moi. Ne m'abandonne pas. Assieds-toi. Qu'est-ce qui m'a pris? C'est grave ce que tu viens de me dire. Aide-moi, Aka. Aide-moi à m'en sortir, s'il te plaît. Je compte sur toi. Même le diable est net, non mieux que cette femme. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Au fait, Aka, et Mélissa, comment se porte-t-elle? Elle va bien? Hein? Elle t'intéresse toujours? Aka, je te jure que je n'ai jamais cessé d'aimer Mélissa. C'est vrai que cette sorcière m'a envoûté. Mais Mélissa a toujours été là. Elle aussi, elle t'aime. Elle se porte bien et elle vit chez moi. D'ailleurs... Merci. Merci. Oui, mais attends, parce que... Merci de l'avoir accueillie. Oui. Mais il me semble qu'elle part en voyage. Il faut que j'appelle ma femme pour vérifier. Bon, Aka, use de toute ton influence. Annule ce voyage, s'il te plaît. Annule-le. Je t'en prie. Allô? Allô, chérie? Oui? Vous êtes où en ce moment? Je m'apprête à accompagner Mélissa. Ah, très bien. Ça veut dire que vous êtes encore à la maison? Non, écoute, arrange-toi à garder Mélissa encore avec toi. Voilà. Mais chérie, donne-moi une explication au moins. Non, je t'expliquerai plus tard, ok? Débrouille-toi pour garder Mélissa encore à la maison le temps que je vous retrouve. Oui. À tout à l'heure. Oui. Ok, mais c'est bien. Aïe, il a coupé. Qu'est-ce qu'il y a? Je viens de recevoir un coup de fil d'Aka. Mmh. Je ne l'entendais pas bien. Ah ouais. J'espère qu'il n'y a pas de problème. Hein? Non, je pense pas. Je l'ai eu lui-même au téléphone. Ah. Je vais aller rapidement à son boulot, voir ce qui se passe. Mmh. Bon,
Mais dans ce cas, je t'accompagne. Non, c'est pas la peine. Tu m'attends ici. Hein? On va remettre ton départ à plus tard, s'il te plaît. D'accord. Ok. Bon. Si, si, il y a quelque chose, hein? tu m'informes. Hein? Ok, y a pas de problème. Mmh. Ok, à tout à l'heure. Ça, c'est quel malheur, ça. Le jour de mon départ. J'espère qu'il n'y a rien de grave. Même c'est pas la peine. Je t'ai remis l'argent depuis la semaine passée. Tu attends quoi pour m'envoyer mon bijou? En plus, il est sur répondeur. Oh, mais c'est pas vrai tout ça. Zoka. Chérie. Zoka, qu'est-ce qui se passe? Tu as perdu quelqu'un? Mais parle, il y a quoi? Le ciel nous est tombé sur la tête. Arrête de tourner autour du pot. Dis-moi ce qui se passe. Tu dis quoi, Zoka? Le conseil d'administration de mon entreprise qui m'emploie a décidé de se séparer de moi. En clair, je suis renvoyé. Voilà. Tu dis quoi? Tu es renvoyé. Et qu'est-ce que tu as fait? En fait, quand on doit faire un audit, on prévient. Ils m'ont surpris et ils m'ont dit à révéler des sorties d'argent que je ne peux pas justifier. L'argent que tu as pris dans la société, là, où ça est? Non mais attends, tu crois quoi? Samira, qu'est-ce que tu croyais? Tout cet argent que je te remettais, tu pensais que je prenais dans un caniveau? Je prenais l'argent où il se trouvait, c'est-à-dire dans les caisses de la société. Tu as compris? Donc c'est à toi que je remettais cet argent. Mais bon, en fait, le problème n'est pas là. Le problème est que on m'accuse de détournement et que bientôt, la police et les huissiers vont arriver chez moi. Ils vont perquisitionner, ils vont saisir les biens. Donc il faudra absolument qu'on laisse cette belle maison pour chercher un endroit à Bobo Dereraï. Le temps que ça se calme, sinon je suis foutu. Moi, Samira derrière Rai. Attends, Zoka, regarde-moi bien. C'est moi, Samira. Moi, aller habiter derrière Rai. Mais attends, tu me prends pour qui? Zoka, quand tu me regardes là, moi, je ressemble à derrière Rai. Non, c'est juste le temps que ça se calme. Ça ne m'intéresse pas. Après, on va déménager, on va aller ailleurs, maman. Zoka, je ne peux pas aller habiter derrière Rai. Je suis déjà quitté dans un quartier précaire. Je suis habitué au luxe. Je peux pas. Regarde-moi droit dans les yeux, Zoka, je vais te parler. Moi, Samira, je t'ai jamais aimé. Et je ne t'aimerai jamais. Samira, mais regarde-moi lui là. Tu pensais à quoi? Que moi, j'étais amoureuse de toi? Si je suis venue habiter avec toi, Zoka, c'est parce que tu avais de l'argent. C'est parce que tu avais des choses à m'offrir, Zoka. Maintenant que tu n'as rien, je n'ai rien à cirer avec un misérable comme toi. Plus un futur prisonnier minable que tu es. Je prends mes enfants, je me casse d'ici. Maman, ne me laisse pas. Qui est ta mère, Zoka? Rappelle-toi des beaux jours que nous avons vécu ensemble. Des beaux jours. Des misères, ouais, Zoka. Regarde, moi je n'ai pas vécu de bons moments avec toi. Hein. Toi, tu n'as rien. Moi, j'aime le luxe. Je vais rester avec toi. Je m'en vais. J'ai mon argent, tout ce que j'ai pris avec toi là. Je vais aller me prendre une maison, Zoka. Allez, casse-toi, je passe là. N'importe quoi. Aka, Aka, tu es un sage, tu es un frère, Aka, merci, merci pour tout. Oh non, mais attention, nous ne réussissons pas trop vite. Jouons le jeu.
Mais qu'est-ce qui se passe? Explique-moi. Pourquoi tu ris? Dieu est grand, il vient de faire son travail. Ah bon? Ouais. Tu sais qu'il vient de sortir de mon bureau? Non. Zoka en personne. Tu dis quoi? Oui, en chair et en os. Il est venu m'expliquer toutes les misères qu'il vit dans son foyer. Et ensemble, on s'est organisé pour vider la vipère de sa maison. Explique-moi, je veux savoir. Tu es trop curieuse. Je vais t'expliquer tout ça à la maison. Retiens simplement que la réconciliation entre Zoka et sa femme, Mélissa, est très proche. Si ta copine veut toujours retourner à la maison, bien sûr. Bien sûr, elle le veut. Je t'explique, Loretta. Okay. Allez, on s'en va. Voilà, police va venir trouver ici. N'importe quoi. Samira, quand t'as... Toi, tu la boucles. Samira, t'as toi, monsieur. Je suis partie avec mes enfants. J'espère que la police ne va pas arriver maintenant et que tu n'iras pas en prison. Mais dans le cas où tu partais en prison, vraiment, je ne viendrai pas te rendre visite. Oublie-moi, Zoka. Fais comme si on ne s'est jamais connu. Ok? J'ai tout ce que je voulais. Adieu. Oh, ne me touche plus là. Futur prisonnier. Papa, j'espère que tu dois sortir. Parce que tu aimes monsieur très bien. Toi au moins, ma fille. Nadine! Maman! Mon vieux va partir là! Maman, ma fille. Que Dieu vous bénisse. Zoka is back! Qu'est-ce qui s'est passé? Mon petit problème personnel. Bon, il n'y a vraiment rien de grave, hein? Non, non, rien. Mélissa, oui? Tu peux attendre un peu? Non, non, là, moi, je vais partir. Ah ouais? Ok. Si tu ne peux pas m'accompagner, c'est pas grave, je vais prendre un taxi. Écoute, Mélissa, je vais t'accompagner. Ah bon? Ça ne te dérange pas, hein? Non, ça va. Si. Bon, Aka. Mélissa, tu fais une bonne route. Merci beaucoup. Retiens ce que je t'ai dit, tu viens quand tu veux. Mm-hmm. À bientôt. Ok. Et merci pour tout. Bon, chérie. À tout à l'heure. Attends, faut que j'appelle mon petit. Oui, jeune homme. Oui, c'est Zoka. Oui, c'est par rapport à la maison, trois pièces là que j'ai demandé. Oui, oui. Vous avez quelque chose? C'est très bien. Non, 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 non. Dis-moi, aucun problème. Je paye. Ok, rendez-vous tout à l'heure. Merci. Bien, jeune homme. D'accord. Tout est en place. Ça se complique son affaire. Hey, Zoka. Oh, finalement. Allô? Oui, allô. Zoka. Le plan a échoué? Mais je dis que ça a tellement bien marché. Mais alors, pourquoi tu as attendu? Non, en fait, bon, j'ai mis un peu de temps pour t'appeler parce que... Enfin, il fallait que je trouve une maison. Donc, j'avais vu un de mes... taxi.
Quoi? Oui, ma femme accompagne Mélissa, elle est à la gare, elle va vers le village. Ben, il faut les rattraper. Merci, Fraka. Oui, bonne chance, mon frère. J'y vais tout de suite. Mélissa, c'est pas le moment de partir. Mélissa, non. Éternel Dieu, Dieu des armées, fais revenir la paix dans le foyer de mon frère Zoka, afin que sa femme Mélissa lui revienne. Aïe, tonton, qu'est-ce qui se passe? Que la paix revienne dans le foyer de mon frère. Apporte la paix dans le cœur de mon frère Zoka. Je te le demande, éternel Dieu. Papa tape minzote, asala kimoyi.
sanga asali mabele zamba bena mai asali pe moto kwa kuzabiki na mjoso lelo yo ekoma moto akoma ko domine moto kote kamoninga pona kwanga motema ya moto epongwani aponi na yekela nesika ya moke nzambe bateka ne molimbo pona mbozwi ya sei Bango, ezali ya Yudasi, balula molili, bango baboya polele, bango batalaka bato na miswa likolo, batonda lolendo, mami kokisa na nzambe, baina kimya, balindi sakate, bana ya mbebi, suka na bango mabe, baluka kinga mabe, nzambe asali ngabia, balukela Pactol Production Office de Lolo Moutima,
le socle de la production congolaise, présente Alain Kabangou, les descendants spirituels des Kabongo Mbaye, dans deux albums chrétiens, chantés en Tchiluba et en Lingala. Zambi Moumania, Kalenga Moumanie, Zambi Moukoumania Wewa, Zambi Moutoumania Bons. Pour la nouvelle étoile montante de la chanson chrétienne, Alain Kabangou, Nzambi Moumania et Ami Intime. Déjà dans les bacs, Nzambi Moumania et Ami Intime, deux albums disponibles en CD et DVD chez tous les disquaires de la place, dans le supermarché et chez Kazarema.com. En téléchargement sous MP3 sur plus de 200 sites spécialisés de vente en ligne comme iTunes de Apple, Fnac, Virgin Megastore, Napster et tant d'autres. Alain Kabangou, l'espoir de la chanson chrétienne en langue nationale Tchiluba. Alain Kabangou, c'est une valeur sûre de la musique chrétienne congolaise. Sur ça, tout le monde est d'accord. Alain Kabangou, dans Ami Intime, avec des titres comme Mambou. Ami Intime, Yaya Yesu. Ebele ya batu ba ya kiko yo kalilo ba ya Yesu we basusu ba uta uta na bango misika ah ah basusu ba talo misika ba uta te papa ba ya ka e para Yesu kosuwa lo di paseko bazanga mabala bazwa kama bala bazanga kobota bazwa bana na komona Yesu masia Mupikudi wai, mupikudi kunde kedito mema. Ha, mupikudi kunde kedito mema. Hey, hey, balusini mwana we bau wakafila. Ha, balusini mwana we bau. Mwindia. Na shabi waja, na shabi wana, na shabi walo ata biashara. Kuiwenza bya Zambi, ujumufa mwane tu. Kamajina ngamunda mweba walitu kujala mwana wa Nzambi akupeta byakana kusambila hey kusambila kusambila ngwipa bana ba Nzambi kusambila kusambila ngwipa bena Kristo kusambila kusambila ngwipa chinjingikala baba lupa kusambila hey kusambile Muiki mujalama kutonu mukusambila Adonai na tomboli kumbona yo kumbona yo situle je sur la terre na tomboli kumbona yo osana osana kumbona yo we Manyi remix Ajawashia washia washila nyuma wipe Alain Kabangou, les nouveaux poulains de la maison Pactol Office, Pactol Production. Il y a un Nzembo, il y a vie courante, mais nous vivons dans mon pays. Bien que ça n'a pas Nzambé, mais il y a vie. Et dans Nzambi Moumania, avec des titres comme La Kisanga Inzela. La Kisanga Inzela, la Langa, la Belanga Inzela, la Langa, oh Yesu. Zambé Loubara.
pasteur évangéliste René Tchibongo Gisasi. La qui s'est battu pour Nazela et Soumassi. Zambé Loba, Yomoko Loba. La qui s'en a, c'est la lobique. Yusuna baye kulinae, atume kibango. Boni ba mokiliba koloba nazana niye. Alléluia. Bulobambo makenga, bulobambo makenga. Munda mo buloba, budi binvini banyeni. Munda mo buloba, budi tusonda bana betu. Budi muguna ngangani, wakuleje jina. Alléluia. Ubo muna ngangani, wandeje jina. Alléluia. 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 Zambi. Ngani wakwamba? Ngani wakwamba nyufa wewa kufa. Nasho mwake na kuto. Udinidi ya kwamba weba. Ngani wakwele mulawane kukwezala wawalu. Nashaka kweba kena kuto. Pikala ya swanyi kayumu kwele mulawo. Udi umbushe biju kujala utone mushinga. Bakena mushinga juto mushinga. Kumaka pesha imode kaisenteji. Mwena lukuna weba, lekele kwele kwewa, tekele uwa moyo weba. Kakukumba na chama kanda Yesu. Chilumbu chani. Chilumbu chani ni baba kuloba, anu zambi kuwa kosa. Chilumbu chaku tanta kwanyi, anu zambi kuwa kosa. Chilumbu chaku ni mane kulela, anu zambi kuwa kosa. Apara zambi wa mujulu, kakwena zambi muko buto. Apara Yesu wa mbuta, kakwena zambi muko buto. Yo yo, yo yo yo, Loba na bomo inangai, ngasa, manyi. Na yoka chiluba teme, kabangu wazo beta, na komu ningisa mutu, ondire mutu wa loba chiluba, ondire na yoka chiluba. Mizige zo beto zo ke lengyo zo rule. Do mikolo bo kumona ndo yende, mingi ba kri mingi boko yoka na banzembo na ye, bao bo yebi si ba zwa zwa na kati, mebo yeba ke uta kipa na ye, Alain Kabangu. Alain Kabangu, le descendant spirituel de Kabongo Mbaya. Distribution exclusive Kazarema. Fafaneba, Shinoani, Dindisaneba, Yoimawani, Fafaneba, Shinoani, Dindisaneba. Merci les socles, Lolo Moutima, le cœur, le producteur du moment. Keba Okozoati Jengu, Soki Osombite, achetez l'original pour la rebattre la kimia. Après de la souffrance au pouvoir, de l'album Amour Full Lova, la sœur évangéliste Beyou Ciel revient sur le marché du disque et chante avec sa voix angélique Bazoa Zéro. Et oui, veut dire Satan n'a pas tonaillé, bas jaloux, n'a pas ngouna naïo, Bazoa Zéro, Libungu Toulou. Un nouvel album chrétien succulent de 10 titres, signé Beyou Ciel, sous le label Pactol Production Office de Lolo Moutima, le socle de la production congolaise. Bakamate Sifuru, Bokubaka Nkatu, Bazoa Zéro, disponible en CD et DVD chez tous les bons disquaires de la place, dans les supermarchés et chez Kazarema.com. En téléchargement sous MP3 sur plus de 200 sites spécialisés de vente en ligne comme iTunes, Fnac, Virgin Megastore, Napster et tant d'autres. Bangada Tijen, Bakozoa Zéro. Un album anthologique fait avec amour, avec la musique de la cour des grands. À posséder absolument. Soki Osombite, Ozui Zéro. Distribution exclusive Kazarema. Une production Pactol Production Office. Merci Beyou Ciel Lova. Merci les socles. Lolo Moutima, le cœur. Le producteur du moment.
Bonamité Mama B, Bazui zéro. Puis Basala, foin, 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 foin.